pouvons nous saluer les uns les autres. On se dit shalom. Dis à ton voisin shalom, que Dieu te bénisse. Bienvenue en ces lieux. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Et nous sommes une famille. Nous nous encourageons. Nous nous saluons les uns les autres. Nous nous bénissons les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une grande joie pour nous d'être encore là malgré la pluie. Je me disais, mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour chercher Dieu. Nous sommes des violents qui s'en emparent. Nous voulons recevoir la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Et nous avons le plaisir, cet après-midi, de recevoir encore un homme de Dieu que nous aimons bien, parmi la race qui tient bon. Amen. Nous ne fléchissons pas les genoux devant le Baal, le Dieu de Baal. Nous restons debout pour proclamer que Jésus est Seigneur. Et il est de cette race. Nous avons la joie de l'avoir encore cet après-midi. Je parlais du pasteur Douglas. Il est pasteur à l'église Centre évangélique puissant de la résurrection, qui est basé actuellement à Choisy, n'est-ce pas? Vinève-le-Roi plutôt. À Vinève-le-Roi. Et le pasteur Douglas n'est pas venu seul. Il est venu avec maman. Sœur Lydie, vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur. La dernière fois, le pasteur est venu seul. Et aujourd'hui, complet. Amen. Comme il est pasteur. Nous sommes vraiment dans la joie. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous faites. La persévérance dans l'œuvre de Dieu. La persévérance, malgré les épreuves, nous devons persévérer parce que ce pays a besoin de l'Évangile. Et Dieu nous a envoyés, n'est-ce pas, pour que nous puissions apporter l'Évangile partout en France. La dernière fois, il nous a parlé des temps de la visitation divine. Les temps de la visitation. Et j'avais écrit quelque chose de très important. Je me rappelle la dernière fois, pendant la famine, il faut rester intègre. Disons amen. Amen. Pendant les temps de famine, l'intégrité. Et Dieu te visitera là où tu es. Alléluia. Sans plus tarder, je vais demander donc au pasteur Douglas de s'avancer. Nous acclamons le Seigneur. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour à tous. Je ne vous entends pas, je disais bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider juste à saluer votre voisin de gauche ou de droite? Dis-lui simplement, attache ta ceinture. Non, j'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Je vais demander Mardechais si tu veux venir. Amen. Dieu va nous faire du bien. Il nous fait du bien déjà depuis le commencement, depuis le 4 janvier. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il commence, il achève. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il commence avec nous, il va aussi achever avec nous. Et au début, on se disait, ça va être difficile. Je pensais encore à tout le repas qu'on a pris le 31 décembre. On se disait, waouh, est-ce qu'on va y arriver? Mais vous voici arrivés. Nous voici tous arrivés. Alléluia. Et nous sommes venus proclamer la victoire. Non, quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'ai dit, nous sommes venus proclamer la victoire. Lorsqu'on arrive à la fin, c'est-à-dire que la victoire est assurée. Et nous allons toucher, nous avons crié, nous avons pleuré, nous sommes couchés au sol, nous avons gémi devant Dieu. Et le ciel va s'ouvrir et Dieu va descendre. Amen. Avant de rentrer dans le message, aujourd'hui je ne serai pas long parce que nous allons prier. Je vais juste appeler mon épouse, elle veut chanter un cantique qui vont nous introduire dans la présence de Dieu. C'est comme si tu n'es pas content. Alléluia. Je suis comme le pasteur Noéla, mon épouse aussi chante. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un cantique que nous connaissons. Et chante-le du fond de ton cœur. Et réalise les paroles
cet air que je respire, si ta présence. Jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis.
je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. On parle de toi, Seigneur. Je ne suis pas capable de prêcher. Je ne suis pas capable de me tenir devant ton peuple, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. À cause de ta grâce, à cause de ton choix, de ton élection, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, à cause de toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que ta présence est dans la maison. Merci parce que je peux sentir ta présence dans l'atmosphère. Merci parce que je peux saluer ta présence. Merci parce que je peux accueillir ta présence. Merci parce que je peux palper, toucher ta présence. Merci parce que tu es là présent. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God, my God, tu es réel. Tu es réel, plus réel que la réalité. Tu es réel, Seigneur, tu es réel. Tu n'es pas un mythe, Seigneur. Tu n'es pas une légende, tu es réel, tu es vrai. Oh Dieu, reçois la gloire. Merci, merci. Alléluia. En le contrôle de ce moment, Seigneur, inspire les paroles de ma bouche, que ma personne s'efface, disparaisse. Tu sais combien je suis faible. Tu sais combien je ne peux rien. Et cet après-midi, j'aimerais compter simplement et uniquement sur ta grâce, sur ta présence et sur ta parole. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit. Alors saisis ma bouche, ma langue, mes yeux, mes mains, tout en moi, afin de transmettre fidèlement la pensée que tu déposes dans nos cœurs aujourd'hui, et cela pour ta gloire. Merci de nous faire du bien, merci de toucher chacun de nous. Merci de nous faire du bien maintenant, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore de me tenir devant son peuple en ce jour pour parler de sa part, car ceci est une très grande responsabilité devant Dieu. Et j'aimerais être fidèle. Et je veux dire aussi merci au pasteur Noéla, également à son épouse, maman, mamie, pour l'invitation et la marque de confiance, ainsi qu'à tout le corps pastoral. Je pense au pasteur Boni, je pense au pasteur Papicho, l'évangéliste Francis et tous ceux qui travaillent. Également merci à toute l'Église pour votre présence. Le thème de ma prédication cet après-midi s'intitule « Jésus, le soleil levant qui nous a visités d'en haut ». Dans ce grand thème sur la visitation divine, je sais que nous sommes bénis depuis le premier jour avec différentes grâces, différents ministères. Et j'aimerais simplement nous communiquer aujourd'hui le cœur de Dieu. Une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour certainement une personne ici présente cet après-midi. Et je crois que cette parole va certainement affecter ta vie, révolutionner quelque chose en toi. Alors nous allons lire rapidement quelques textes. Je vais lire rapidement et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans le livre de Luc au chapitre 1er,
Luc chapitre 1, je lis le verset 67 au verset 75. Ensuite, je lirai le verset 78 au verset 79. La Bible dit ceci: Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, et comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre qu'après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, que nous, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Et le verset 78 nous dit: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Aide-moi à dire à ton voisin: le soleil levant nous a visités d'en haut. Oh, c'est trop faible. Dis-lui: le soleil levant nous a visités d'en haut. Non, j'ai l'impression là-bas, il n'a pas bien entendu. Dis-lui encore: le soleil levant nous a visités d'en haut. Pour éclairer tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc chapitre 7, nous lisons le verset 11 au verset 14. Allons-y même jusqu'au verset 16. La Bible dit: le jour suivant, Jésus alla de ville en ville, plutôt dans la ville de Naïn et ses disciples, et une grande foule faisait route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici que l'on portait à terre un mort, fils unique de sa mère et qui était veuf. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 25 au verset 28. Et c'est Jésus qui parle en disant, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, et ainsi qu'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Alléluia. Et le dernier texte est dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, que nous connaissons. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, les os se rapprochaient les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, et la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, et il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit encore: prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit:
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sepulcres et je vous ferai sortir de vos sepulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos sepulcres et que je vous ferai sortir de vos sepulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agit, dit l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, quand Dieu parle, il agit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois à cette parole? Dis-lui encore, quand Dieu parle, il agit. Le plan de Dieu n'a jamais changé depuis le commencement. Dieu va appeler un homme du nom d'Abraham à qui il va confier une mission. Et de par Abraham, Dieu va ressortir une nation qui allait porter son nom. La nation d'Israël qui était appelée à être la lumière de Dieu, le témoin de Dieu auprès des nations. Dieu lui communique sa parole, Dieu lui communique la Torah, Dieu lui communique sa pensée, sa vision pour éclairer les autres nations qui étaient dans les ténèbres, mais à condition que ce peuple puisse marcher dans la foi, à condition que ce peuple puisse chercher Dieu de tout son cœur. Mais il va arriver dans le cours de temps, dans l'histoire de ce peuple, il va connaître plusieurs difficultés, plusieurs erreurs, plusieurs péchés, et cela va détourner Dieu de ce peuple. Alors l'alliance que Dieu avait traitée avec son peuple n'était pas détruite. Cette alliance n'était pas oubliée. Voilà pourquoi Dieu, par Abraham, avait déjà prophétisé que les enfants d'Israël se retrouveraient en Égypte pendant 4 siècles jusqu'à ce que le péché des Amoréens soit à leur comble. Et à la 4e génération, Dieu avait dit que son peuple allait être libéré de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons l'histoire, nous voyons ces choses s'accomplir. Au temps de Joseph qui se retrouve en Égypte, Joseph, par le canal de Joseph, toute la nation d'Israël, à cause de la famine qu'il y avait dans ce contrée, ils vont se retrouver aussi en Égypte et ils vont tous mourir en Égypte. Mais quelque chose m'a touché et celle-ci. À la mort, avant même la mort de Joseph, Joseph va dire à son peuple, écoutez mon peuple, Dieu vous visitera. Il donne comme une prophétie quelque chose qui vont arriver alors qu'il n'était pas encore décédé, parce qu'il avait la vision de Dieu, parce qu'il avait les yeux prophétiques. Il pouvait voir les choses qui pouvaient arriver. Il dit, je vais mourir, moi je vais mourir, moi je n'existerai plus, mais Dieu vous visitera. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te visitera. Dis-lui encore avec beaucoup de vie, dis-lui, Dieu te visitera. Je sais que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre jeûne, on est fatigué, mais je veux que tu comptes sur la puissance de Dieu. Je veux que tu comptes sur l'Esprit de Dieu. Je veux que tu prêches avec moi. Je veux que cette parole puisse te communiquer une force surnaturelle capable d'amener quelque chose de nouveau en toi. Alléluia. Il dit, Dieu vous visitera. Et Joseph meurt. Et voici que la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse, plutôt à Abraham, va venir à se réaliser. Et Dieu va susciter un libérateur. Alors que le peuple était dans l'esclavage, alors que le peuple était soumis à des durs labeurs au niveau de l'Égypte, le roi de l'Égypte, le pharaon, les avait soumis à des dures servitudes. Le peuple était accablé, le peuple gémissait, le peuple pleurait, le peuple souffrait. Ils étaient comme dans l'ombre de la mort, pas d'espoir. Qui pourrait nous délivrer de cette condition? Qui était capable de libérer toute une nation de la prison de l'Égypte? Mais voici que Dieu, à cette époque, va donner une promesse. Dieu va permettre à ce qu'un homme puisse naître du nom de Moïse. Cet homme qui était comme le libérateur, cet homme qui était comme le Messie, il naît dans cette époque-là. Et dans cette même époque, Dieu va l'utiliser pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, de la tombe de l'Égypte. La première prophétie va se réaliser. Le peuple sera libéré de la tombe de l'Égypte, car les nations païennes
humaines sont considérées aux yeux de Dieu comme des tombeaux, comme des sépulcres qui enterrent les grâces, qui éloignent les hommes de Dieu. Et Moïse va libérer le peuple. Et lorsque je lis Exode chapitre 13, Exode chapitre 14, je vois le peuple qui sort avec les eaux de Moïse. Et les eaux de Moïse, plutôt les eaux de Joseph, vont sortir de l'Égypte pour être inhumés dans la terre promise. Je suis venu te dire, tu n'es pas de ce monde et tu ne mourras pas dans ce monde. Dans ce monde, tu es un pèlerin, tu es un voyageur. Tu viens d'en haut, après ta mission, tu dois retourner en haut. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu es juste dans une phase de transition. Mais le temps de ta sortie a été déjà marqué par Dieu, de par sa propre autorité. Et cela s'est accompli avec Joseph. Cela aussi s'accomplit avec toi, avec moi. Et voyez-vous, Moïse serait comme un grand prophète. Il était considéré comme le plus grand prophète des Juifs. La Bible cite Moïse et Élie, les deux prophètes majeurs. Et Moïse va prophétiser dans Exode chapitre 18. Il dira, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi-même. Je mettrai mes paroles dans la bouche. Écoutez-le. Il était question d'un Messie qui viendrait. Pourquoi? Parce que Moïse voyait déjà l'apostasie du peuple. Quand vous lisez les textes de Deutéronome, Moïse regarde les enfants d'Israël. Il voit déjà un peuple qui se détourne de Dieu, qui abandonne son Dieu. Et il annonce toute une série de misères. Il parle de maladies, de famine, mais il parle aussi de l'exil. Et cette prophétie va se réaliser littéralement au temps des rois. Au temps des rois, le peuple va tellement abandonner Dieu que, alors qu'ils étaient dans un temps de prospérité, il y avait comme un boom économique, Dieu suscite un homme du nom de Jérémie. Alors que tout semblait beau, tout semblait bien. Mais ce peuple qui avait abandonné Dieu pouvait compter encore sur sa condition matérielle, physique, financière. Laissez-moi vous dire les choses de Dieu. Le regard de Dieu n'a rien à voir avec le regard des hommes. Quand tout le monde voit que ça va très bien, Dieu voit que ça va pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. En France, c'est bien, nous sommes bien. Mais quand Dieu regarde l'état spirituel, car c'est le spirituel qui amène le saut dans le monde physique, Dieu dit non, rien ne va. Il n'y a rien de bon. Depuis la tête jusqu'à la plante de pied, tout est pourriture, plaie, contusion. Tout, il n'y a rien qui ne soit en bon état. Tout est dégradé, tout est corruption. Et Dieu, au-dedans de lui, pleure. Il parle à Jérémie. Jérémie dit, il lui donne un message, il dit, tu annonceras ce message. Jérémie dit, non, je suis un enfant. Et voici en même temps, beaucoup de prophètes se sont levés pour dire, non, Dieu va vous bénir, Dieu va vous rendre prospère. Vous ne pouvez pas être béni, vous ne pouvez pas être prospère tant que vous abandonnez la source de la bénédiction, de la prospérité. Tant que vous l'abandonnez, vous ne pouvez pas exceller. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse cette nation. Vous ne pouvez pas être heureux parce que vous avez des belles voitures, vous avez de l'argent en banque, vous ne pouvez pas être heureux parce que vous vivez une bonne vie humainement parlant, mais vous êtes heureux parce que vous avez Dieu avec vous, alléluia, parce que Dieu est de votre côté. Quand Dieu est de mon côté, quoi qu'il m'arrive, peu importe ce que je peux traverser, je sais que j'arriverai jusqu'au bout, je sais que Dieu me donnera toujours la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie a prophétisé la captivité babylonienne qui allait durer 70 ans. Il a annoncé, il a prêché, il a dit, je vous ai envoyé, Dieu vous a envoyé des prophètes depuis le matin. Vous ne l'avez pas écouté, vous avez fermé vos oreilles à la voix prophétique. Alors regardez ce qui va se passer, vous serez amenés en captivité. Et voilà comment Babylone, qui était la grande puissance de l'époque, va venir avec Nebuchadnezzar, ils vont assiéger la ville. Ils vont détruire les murailles, ils vont détruire les temples, ils vont amener en déportation la majeure partie d'Israël. Les gens de la classe noble, de la race noble seront déportés jusqu'à Babylone. Le temple sera détruit, les ustensiles du temple seront également profanés. Bien-aimé, la parole de la bouche de Jérémie s'est littéralement accomplie. Et parmi ceux qui ont été emmenés en captivité, nous avons deux prophètes. Le premier, c'est Daniel qui a été emmené en captivité. Et le deuxième, c'était Ézéchiel.
Et je veux revenir là-dessus. Et parmi ces nations, et vous allez voir depuis cela, depuis cette époque, depuis cette déportation, Israël n'a jamais été restauré complètement. Israël se retrouvait encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi Esaïe va prophétiser. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il règne les angoisses. Car si le temps passé en couvert d'opprobre, de honte, de confusion, je suis venu dire à une personne, les temps à venir couvriront de gloire. Je vois une gloire à venir qui arrive. Quand Dieu descend, il descend avec sa main puissante. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimé, Esaïe est venu 8 siècles avant le Messie. Il a annoncé, mais avant que la lumière ne vienne, il a déclaré qu'il y aurait un homme qui viendrait du nom de Jean. Une voix qui devait crier dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Oui, la visitation divine se prépare. Vous ne pouvez pas recevoir la visitation sans être préparé. Il fallait un homme qui se tienne à la brèche. Un homme qui soit mis à part pour prier, pour annoncer la parole de Dieu, afin que celui dont Dieu avait annoncé depuis Genèse 3 verset 15 que cette personne arrive écraser la tête du serpent. Non, quelqu'un ne m'a pas compris cet après-midi. Il fallait que cet homme vienne écraser la tête du serpent. Et Dieu choisit ce couple, Zacharie et Elisabeth, un couple qui servait Dieu fidèlement, sans enfant. Vous savez, quelquefois, quand vous êtes stérile, quand vous êtes dans le manque, vous êtes dans le besoin, vous priez, rien n'avance, sachez qu'il y a une surprise meilleure que Dieu vous réserve, plus que toutes les autres surprises. Et Dieu va passer au travers de ce couple pour leur donner un bébé, Jean. Et Zacharie, rempli de l'Esprit, va commencer à prophétiser. Et là, nous sommes dans le livre de Luc qu'on vient de lire. Il était rempli de l'Esprit, commença à prophétiser en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu, oui, béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Je vais te dire, cette visitation qui était une promesse autrefois, elle est devenue une réalité aujourd'hui. Alléluia. La visitation n'est plus quelque chose à venir, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et la Bible dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Celui-là même qui a été annoncé par Moïse. Ce puissant sauveur est venu dans la maison de David. Comme il avait annoncé dans la bouche de ce saint prophète des temps anciens. Et la Bible dit qu'il est un sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Quand Dieu vient visiter son peuple, il le délivre de la main de tous ses ennemis. Quels sont tes ennemis? Ton premier ennemi, c'est toi-même, c'est ta chair. Je veux te délivrer de ta chair. Quel est ton ennemi? Ton ennemi, c'est le péché. Je veux te délivrer du péché. Quel est ton ennemi? Ton ennemi, ce sont les démons. Tes ennemis, ce sont les démons. Dieu veut te délivrer des démons. Quel est ton ennemi? Ton ennemi, c'est le monde et les plaisirs de ce monde. Dieu veut te délivrer de cela. Ton ennemi, c'est Satan, le prince de ce monde ténèbres. Dieu veut te délivrer de cela. Mais je rends grâce à Dieu, car la Bible dit ceci, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu le monde, Satan, le péché, les démons. Parce que celui qui est en vous, oh Kamad, je disais, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es plus dans le camp des faibles, mais tu as été relevé dans le camp des vainqueurs. Jésus a vaincu, mais il a fait de toi plus que vainqueur. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus a vaincu. C'est lui qui a remporté la victoire, mais le trophée, il te le donne. C'est toi qui vas brandir le trophée en disant, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu. Avant sa venue, il a été précédé par Jean. Jean qui a annoncé sa venue. Et lorsque le temps est venu, Jean sera arrêté. La Bible déclare que lorsque le temps était accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme et né sous la loi. Il est venu, bien aimé, dans le sens de la visitation divine. Je notais 2 choses importantes que vous devez aussi noter, qui doivent rester gravées en vous. Quand vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose de magnifique en vous, la première chose, vous devez avoir la parole de Dieu en vous. Car Dieu, ce
comptera toujours sur sa parole pour agir. Il fallait que celui-là dont les prophètes avaient annoncé vienne. Or, la personne qui a été annoncée, il s'appelle la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue, elle a été faite chair, elle a été manifestée, et elle a habité parmi les hommes, pleine de gloire, pleine de grâce et de puissance et de vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons contemplé sa gloire, dit Jean. Bien-aimé, il est venu en tant que la parole de Dieu. Quand Dieu voulait envoyer le Fils de Dieu, il pose la question dans le cortège céleste: qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alors que les ténèbres régnaient sur la terre, un homme, je dirais plutôt Dieu qui est au ciel, a voulu prendre la forme d'un homme. Mais regardez, dans quelle dimension? Mais dans la dimension du soleil. Quelqu'un ne me comprend pas. Lorsqu'on parle de soleil, cela veut dire que quelque part il y a les ténèbres, il faut que la lumière vienne pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont là, assis dans la mort, dans l'ombre de la mort. Jésus-Christ, la Bible l'appelle le soleil levant. La Bible l'appelle le soleil de la justice. Et la guérison est sous ses ailes. C'est-à-dire, quand on parle du soleil, on voit Jésus. Le soleil que vous voyez, ce n'est qu'une préfiguration du véritable soleil. Le véritable soleil a un nom. Le véritable soleil s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle la parole de Dieu. Et dans le processus de son introduction dans le monde, il fallait qu'un mystère soit accompli. Ce que les musulmans ne comprennent, ce que les autres religions ne peuvent comprendre. Dieu a-t-il un fils? Comment est-ce que ce fils est venu dans le monde? Y a-t-il un accouplement entre un homme et une femme? La Bible nous dit ceci: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Oh my God, tu ne comprends pas encore. J'ai dit Dieu, la divinité qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher, qu'on ne peut cerner, qu'on ne peut contrôler. C'est comme du vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. La Bible dit, a décidé de prendre la forme humaine. Ceci est un mystère, frère. La puissance de Dieu était venue sur Marie. L'ombre du Très-Haut a couvert son ventre et elle a conçu. Lorsqu'on pouvait poser la question: Marie, d'où es-tu tombée enceinte? Qui est le père responsable de cet enfant? Marie pouvait dire: c'est Dieu. Il y a eu un processus spirituel. Laisse-moi te dire, quand Dieu va décider de te visiter, il n'a pas besoin de ton oncle, il n'a pas besoin de ta tante, il n'a pas besoin de ton père, il n'a pas besoin d'un homme, il a besoin de lui-même. Il se suffit à lui-même. Ah, j'ai un Dieu. Non, comment, quelqu'un ne me comprend pas. Je disais, j'ai un Dieu. I have a God. J'ai un Dieu capable de faire. J'aime la chanson qui dit, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le fait dans le secret, là où il n'y a rien, là où personne ne voit. C'est là que Dieu travaille. Dieu a décidé de descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? J'ai dit, Dieu a décidé de... Dieu a décidé de... Et la deuxième chose que Dieu utilise, c'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu as la parole et quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu deviens terrible. Tu deviens, permettez-moi l'expression, imbloquable. C'est-à-dire, ce qui t'est bloqué est bloqué. Non, tu ne comprends pas. L'esprit de blocage est bloqué. Non, aide-moi à dire à ton voisin, Jésus bloque l'esprit de blocage. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit là-bas, dis à ton voisin, l'esprit de blocage est bloqué. Alléluia! Il est né par la vertu de l'esprit, investi de la mission divine, venu parmi le peuple. Et la Bible dit de lui, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, pour libérer le captif, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel. Il est dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth.
Nazareth, allant de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le diable régnait, il y avait le règne de la mort, il y avait le règne des ténèbres. Non seulement le diable régnait, il y avait des choses aussi qui n'avançaient pas. Quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement lié au péché. La mort, c'est tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui n'évolue pas. Il y a eu une mort quelque part. Au niveau du mariage, il y a eu la mort. Au niveau des études, il y a eu la mort. Au niveau, je ne sais pas, de ton travail, il y a eu la mort. De tes projets, il y a eu la mort. Au niveau de ton ministère, il y a eu la mort. Tu stagnais, rien n'avançait. Je suis venu annoncer à une personne que le soleil levant a commencé déjà à briller. Non, il n'a pas commencé à briller maintenant. Depuis 2000 ans, il a commencé déjà à briller. Et quelque chose s'apprête à se passer. Il allait de lieu en lieu. J'imagine Jésus-Christ arrive ici dans le temple de parole du salut. Oh my God, quelque chose se passe. Quelqu'un a dit, là où Jésus passe, quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'il est là ce soir? Est-ce que vous croyez qu'il est là depuis le commencement du jeûne? Alors parce que Jésus passe ici, quelque chose. Est-ce que tu peux l'accueillir encore? Quand Jésus passe, quelque chose se passe. Je dis, quand Jésus passe, quelque chose se passe. Quand Jésus passe, quelque chose se passe. Baba Sinda Broso Katamanare Basi Katam. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a commencé son ministère, regardez les signes qui l'ont accompagné. Regardez tous les miracles qui l'ont accompagné. Un jour, nous dit la Bible, Jésus-Christ était en train de marcher. Il était en train de passer. Et permettez-moi de vous dire que son nom est le soleil levant. Permettez-moi de vous dire que son nom est la vie. Permettez-moi de vous dire que son nom est la lumière du monde. Il était en train de passer. Il était en train de passer. Je dis que Jésus, quand il passe, quelque chose se passe. Il est dans le cortège de la vie. Et oh, alléluia. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Il est dans le cortège de la vie. Dieu est en ce lieu. Il est dans le cortège de la vie. Il part. Il poursuivit sa mission. Il poursuivit son œuvre. Jésus a un calendrier. Jésus a un programme. Et je veux te dire, dans le calendrier de Dieu, il va te croiser sur ton chemin. Il va te croiser sur ta route. Il est en train de passer. On nous dit pas qu'il était au courant des choses, mais il était simplement en train de passer. Le cortège de la vie était en train de venir. Le cortège de la vie était en train de venir. Et la Bible nous dit que de l'autre côté, il y avait un autre cortège. Le cortège de la mort. Une femme veuve qui avait un seul enfant. Son enfant était mort. Vous imaginez, lorsque vous êtes veuve, vous avez perdu votre fils, plutôt votre mari. Vous n'avez plus de ressources. Et le fils unique sur qui vous pouviez compter, espérer, le voilà mourir. Cette femme pleurait. Cette femme n'avait plus d'espérance. Cette femme était abattue. Tel que tu es là, tu es dans l'angoisse, tu es abattu. Tu n'as plus de solution. Tu sais que je vais à l'enterrement, c'est fini. Après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. La mort, c'est le dernier ennemi. Laisse-moi te dire, tant que le soleil levant n'a pas dit le dernier mot, attends-toi à quelque chose de Dieu. La Bible nous dit ceci, alléluia, Mardoché, come on. La Bible nous dit ceci, de l'autre côté du cortège, il y avait le cortège de la mort. Cette femme allait enterrer son fils, elle pleurait, ce n'est qu'un au revoir à Dieu. Mais de l'autre côté, le responsable de la vie était là. Et la Bible dit qu'il va y avoir rencontre de deux cortèges, il va y avoir croisement de deux cortèges. Non, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il va y avoir croisement de deux cortèges, il va y avoir croisement de deux cortèges. Il va y avoir croisement de deux cortèges. Il va y avoir croisement. Lorsque les deux cortèges se croisent, quelque chose disparaît. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la visitation de Dieu se lève, quelque chose disparaît. Donc tu ne m'as pas compris. Lorsque la vie vient, la mort disparaît. Lorsque la bénédiction vient, la malédiction disparaît. Lorsque la réussite vient, l'échec disparaît. Lorsque la belle, oh, alléluia, lorsque tu deviens enceinte, que tu deviens féconde, la stérilité aussi disparaît. Aujourd'hui, je suis venu enterrer ton problème au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu enterrer le problème d'une personne au nom de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit, il a dit à cette femme, ne pleure pas. Touche ton voisin comme ça, dis-lui, ne pleure pas.
dis-lui encore, ne pleure pas. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a la solution. Il sait que la solution est entre tes mains, entre ses mains. Il dit, ne pleure pas. On a calmé, on a essuyé ses larmes. Elle ne savait pas quoi faire. Mais la Bible dit, le responsable de la vie, le soleil levant, qui éclaire l'ombre de la mort, qui va jusque dans la profondeur de la mort, celui qui a dit à Lazare, 4 jours dans la tombe, Lazare sort. Avec les bandeaux, Lazare est sorti vivant. Il n'a pas changé, frère. La Bible dit, il est venu avec sa main. Il a touché le cercueil. Oh, laisse-moi te dire, il y a la puissance dans la main de Dieu. Avec la main de Jésus, il a touché son problème et la solution est venue. La Bible dit, l'enfant qui était dans le cercueil va retrouver la vie. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la victoire de Jésus. Jésus est celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Et toute la vie de Naïm et toutes les villes d'alentour ont su ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'ils ont dit? Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dis comme ça, Seigneur. Prie avec moi, Seigneur. Encore, Seigneur. Que le soleil se lève sur ma vie. Quand le soleil se lève, c'est pour deux raisons. La première, pour t'éclairer, éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Deuxièmement, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Dieu ne te visite pas, il ne te guérit pas, il ne te bénit pas, il ne te fait pas du bien pour qu'après tu restes assis. Il y a une mission que Dieu veut te communiquer. Il y a un appel derrière la visitation divine. Il y a une voix de Dieu qui retentit dans le cœur de tous ceux-là qui veulent répondre à cet appel. La raison pour laquelle, dans le livre de Ézéchiel 37, Dieu prend Ézéchiel par sa main, il le transporte. Il l'amène dans la vallée d'ossements desséchés. Une vallée qui a été remplie d'ossements. Tout était sec. Ce qui représente les nations d'Israël. La nation d'Israël disséminée entre parmi les nations, dont l'espérance était détruite, qui se sentait perdue, loin de Dieu. Notre espérance est détruite. Nous n'avons plus rien à espérer. Nous ne pouvons plus rentrer dans notre pays. Plus jamais nous serons un royaume comme au préalable. Quand il y a la mort, il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas d'une mort physique. Car pour les enfants de Dieu, la mort physique n'est pas la fin. Au contraire, c'est un tremplin pour l'éternité. Paul dit, je suis pressé de deux côtés, je m'irai m'en aller. Mais quand je parle de la mort, je parle de la cessation de vie. Lorsque la vie Zoé, la vie de Dieu n'est plus, plus rien à espérer. Alors Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il regarde les eaux, il regarde l'état des eaux, il regarde la situation, il dit, ah, impossible. Quelquefois, il nous arrive, nous sommes devant des situations, on se dit, c'est fini. Plus d'espoir, plus d'espérance. C'est la question que Dieu pose. Est-ce qu'il peut encore avoir vie? J'aimerais te dire, Ézéchiel, en ce temps-là, qui était encore sacrificateur, n'avait pas encore la révélation du soleil levant. Et la raison pour laquelle il a répondu, je ne sais, mais toi tu le sais. Alors Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur ses eaux. Alors avant que Dieu ne commence une œuvre, il permet toujours que la parole de Dieu soit précédée. Et quand la parole de Dieu est précédée, quand la parole de Dieu est déclarée, bien aimé, il y a des choses dans l'esprit qui se passent sans que vous n'ayez encore vu. Qui a déjà vu comment se forment les os d'un enfant dans le ventre d'une femme? Personne. Mais attendez, la première semaine jusqu'au 9e mois, vous allez voir ce qui s'est passé. Et Dieu dit, de la même manière, tu ne connais pas le chemin du vent. Ecclésiaste, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen.
Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et la Bible dit, pendant qu'il prophétisait, les eaux se sont rapprochées. Il a commencé à avoir un mouvement. Et c'était un mouvement d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu veut faire un travail d'abord en toi. Dieu veut te donner un homme nouveau, faire de toi un homme nouveau. C'est là qui va se manifester par la suite. Et la Bible dit que les nerfs, d'abord les os se sont rapprochés. Les nerfs sont venus, la chair a cru et la peau est venue. Mais c'était encore une armée, un peuple qui était là sans vie. Dieu dit encore à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle. Et pendant qu'il a ouvert sa bouche pour prophétiser, la Bible dit l'Esprit de Dieu est venu des quatre vents de cieux et il a soufflé sur les morts et les morts qui étaient là étaient revenus à la vie. Ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Ce n'est même pas par rapport à Ézéchiel. Ce que je veux te dire, cette armée qui est revenue à la vie, Dieu l'appelle une armée, mais une armée nombreuse. Donc, le but de la visitation, c'est de faire de toi partisan de l'armée de Dieu. Partisan de l'armée de Dieu. C'est-à-dire, tu dois t'associer à l'œuvre de Dieu. Quand Dieu décide de visiter une église, de visiter un peuple, Dieu voit déjà l'extension. Dieu voit des choses qui doivent commencer à se produire. Mais ces choses vont-elles se produire comment? S'il n'y a qu'un seul Ézéchiel, s'il n'y a qu'un seul peuple, s'il y a une seule personne qui s'inscrit dans la liste de Dieu. Alors Dieu voulait que le peuple se lève. Voilà pourquoi il a d'abord reçu l'Esprit. Et Dieu m'a dit de vous dire, il veut que vous soyez une armée qui se lève. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu m'a dit de vous dire, il veut que tu sois une armée qui se lève. Car après ce temps de jeûne et prière, Dieu veut commencer un mouvement. Dieu veut déclencher des choses dans l'esprit. Il va y avoir des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Il va y avoir, je me dis, mais pourquoi ne pas transformer les cellules de maison en extension? Pourquoi ne pas développer ces choses? Car qui ira si tout le monde reste ici? Qui partira si tout le monde ne comprend pas la visitation divine, le plan de Dieu? Je suis venu te dire, de la part de Dieu, lorsque le soleil s'est levé, il y a eu 12 apôtres qui ont été suscités. Quand Jésus est parti, les 12 ont été baptisés de l'Esprit. Oh, come on! Les 12 ont été baptisés de l'Esprit. Ils sont partis et ils ont bouleversé le monde. La Bible dit de Pierre et de Paul et Silas, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Et ma prière est que tu fasses partie de cette armée qui va bouleverser. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois bouleverser le monde. Non, il ne te comprend pas encore bien. Dis-lui, tu dois bouleverser la France. Non, tu te dis encore, je suis noir, je ne suis pas connu. Dieu n'a pas besoin de la couleur de ta peau. Ce que Dieu a besoin, c'est ce qui est en toi. C'est ça qui marquera la différence. Alléluia. Dieu veut t'utiliser comme une armée. Dieu veut susciter une armée de prédicateurs. Dieu veut susciter une armée de prophètes, des évangélistes. Dieu veut susciter une armée de pasteurs. Dieu veut susciter une armée de docteurs. Dieu veut susciter une armée de chantres, une armée d'intercesseurs, une armée des hommes et des femmes qui sont derrière un leaders et qui partent, qui suivent le mouvement de l'esprit, qui partent à la direction de l'esprit, non dans le désordre, mais dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, frère, écoutez la voix de Dieu ce soir. Dieu m'a dit de vous dire, soyez cette armée, levez-vous, frère. Ce n'est pas une affaire de 2, 3, 4 personnes, c'est une affaire de tout le monde. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Que Dieu te bénisse. Va avec moi. Pasteur, can I have 5 minutes? Juste 5 minutes. Lève-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Il dit, venez. Jesus. Tu vas prier pendant que nous allons commencer à chanter. Tu vas commencer à lever ta voix. Tu dois prier pour que toi-même tu fasses partie de cette armée. Une armée
composé des Africains, des Antillais, des Blancs, de toutes les nations, qui lèvent la bannière du nom de Jésus dans cette nation, qui vont être une voix prophétique, une nation qui va hausser la voix, qui va parler. Oui, frère, nous sommes assez d'être dominés, écrasés. Nous, le soleil, le vent est de notre côté. Jésus pouvait dire, allez dire à ce renard, je fais des miracles aujourd'hui, demain, le troisième jour, j'aurai fini. Car il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la parole de la réconciliation. Tu as reçu le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie avec moi, prie avec moi. Ne murmure pas, prie, prie, élève ta voix. Alléluia. Prie, prie, élève ta voix, prie, prie, prie avec nous, prie. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce peuple. Seigneur, j'ai obéi à ta parole, j'ai obéi à ta voix. Et j'ai transmis, Père, du mieux que j'ai pu ta pensée à ce peuple. Alors je te demande une seule chose. Viens, manifeste-toi. Viens, lève un peuple. Tout ce que je te demande en ce moment précieux. Tout ce que je te demande. À cause de ta fidélité. Prie, prie, prie. Tu vas chanter tout à l'heure. Prie. Oh, Chanabré. 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 Oh, celebrate! We my scared of what you call celebrate about it. That I'm a land of bringing my scared of it. She got over a son of it. Chante avec moi maintenant, chante avec moi ce cantique. Chante avec moi de tout ton cœur. Chante, chante, chante. Oh, tu es mort. Je suis dépassé par les événements. Je t'appelle au secours. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je t'appelle au secours. Quand les médecins disent que c'est fini, tu me dis sois confiant. Tu me dis sois seulement Yahweh, 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 Tu es mon secours.
Levons tous nos mains vers le ciel. Pendant que le groupe d'adoration nous accompagne dans ce chant, lève ta main simplement vers le ciel. Il y a quelque chose de Dieu qui descend maintenant même. Pendant que je priais, je voyais que le ciel était déjà ouvert et que Dieu était en train de visiter son peuple. Je voyais le ciel qui était déjà ouvert et Dieu qui était en train de visiter son peuple. Toi qui fais partie de l'armée de Dieu, lève simplement ta main. Il y a une onction de Dieu, il y a une onction du Saint-Esprit qui arrive sur ta vie, dans ta vie, pour marquer la différence. Dieu va commencer à te rendre capable de choses que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Il y a une capacité surnaturelle que tu reçois de Dieu. Il y a des personnes ici qui ont le don de prophétie. Leur don sera activé à nouveau sous l'élan de l'Esprit de Dieu. Je dis sous l'élan de l'Esprit de Dieu, car Dieu est dans la maison. Voici la main de Dieu qui arrive pour vous maintenant même. Je dis maintenant même au nom de Jésus, voici la main de Dieu qui arrive pour vous maintenant même. La grâce de Dieu se déploie dans votre vie. Oui, Dieu est ici. Tu reçois un zèle pour l'évangélisation, pour aller prêcher l'évangile. Il y a des chaussures que l'Esprit de Dieu t'accorde. Voici la visitation de Dieu pour toi. Dieu te dit, ne t'assois plus. Dieu te dit, lève-toi, avance et marche. Vas-y, car Dieu est de ton côté. Vas-y, pars au nom de Jésus. Oh, sans appel, vous tous qui êtes l'armée de Dieu, voici la main de Dieu sur vous. Je dis, voici la main de Dieu sur vous. Voici la main de Dieu sur vous. Il y a des hommes qui seront visités par Dieu. Oui, reçois ta part, reçois ta part. Reçois ta part maintenant. Reçois ta part maintenant. Il y a des personnes qui ont le don de guérison. Que ce don puisse être activé au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Le soleil levant descend. Le soleil devant descend. Le soleil levant descend. Jésus, le soleil devant descend. Jésus, le soleil levant descend. Jésus, le soleil levant descend. Jésus, le soleil levant descend. Oh my God. Oh my God. Il te touche. Il te touche. Oui, reçois l'esprit. Prends l'esprit. Prends l'esprit, prends l'esprit, prends l'esprit. Oui, prends-le, prends-le, prends-le. Reçois-le maintenant même au nom de Jésus. Prenez au nom de Jésus. Voilà. Oh, la puissance de Dieu. Dieu est dans la maison. La présence de Dieu est dans la maison. Je sens l'onction. Je le disais au début, je sens l'Esprit de Dieu dans la maison. La maison est remplie de l'Esprit. Je sens une fumée. Je sens une fumée. Je sens une fumée. Une fumée. La fumée de la gloire. Je peux la sentir. Je peux la toucher. Je peux la palper. Oui, prenez, prenez. Ne sois pas distrait. Prends ta part. Prends ta part maintenant même. Prends ta part maintenant même. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Dans la révélation. Dans la dimension prophétique. Comme un aigle. Comme un aigle. Comme un aigle. Oh, 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 oh. Oh, douce. Douce, douce. Douce, douce, douce. Douce, douce. Jesus. Douce, douce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh my God. Seigneur, merci pour ta grâce. Voici la main de Dieu. Oh, merci Jésus. Tous au nom de Jésus. Tous, tous bénis. Merci de répandre ta grâce. Merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Oh. Je prie que dans cette mouvance, vous tous qui êtes malades, que vos maladies disparaissent maintenant. Je prie que vous tous qui êtes malades, que vos maladies disparaissent maintenant. Seigneur, merci de toucher ton peuple dans une dimension profonde de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Soleil levant. Soleil levant. Soleil levant. Soleil levant. Dieu veut déposer sa parole dans la bouche de quelqu'un. Dieu dépose ta parole dans la bouche de quelqu'un. Mais cette personne-là hésite. Cette personne-là doute. Tu as des pensées de ton cœur qui montent. Mais tu hésites et tu doutes. Mais Dieu me dit de te dire, ton temps est arrivé. Va dehors, parle. Au travers de toi, beaucoup viendront à Jésus. Au travers de toi, jeune fille, jeune fille, jeune fille, jeune fille, voici la main de Dieu. Je dis, voici la main de Dieu. Jeune fille, dans ta vie, 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 dans ta vie. Voilà. Oh
Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dieu est dans la maison. Dieu est dans la maison. Oh my God. My God. Tu as envie de pousser un cri. Tu as envie de pousser un cri de gémissement. Oui, sens-toi libre. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Oh, le soleil levant est ici. Il nous a visités d'en haut. Le ciel est ouvert et il est descendu. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses pleurs, ses cris et je connais ses douleurs et je suis descendu. 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 Le problème de palpitation cardiaque, tu ne verras plus ce problème. Au nom de Jésus, j'ai dit tu ne verras plus ce problème. Cette maladie te quitte maintenant, sous l'onction de Dieu, maintenant même. Au nom de Jésus. Pour tous qui êtes malades, posez simplement la main là où vous avez mal. Si vous êtes dans la salle et que vous êtes malade, posez simplement la main là où vous avez mal. Posez simplement la main là où vous avez mal. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. Elle n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop dure. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Là où tu es, sa main te touche. Sa main te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Tu avais un problème de fer. La main de Dieu règle ce problème. Un problème dans le sang. La main de Dieu règle ce problème maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu avais un problème de kyste. La main de Dieu guérit ce problème, touche ce problème. Une jeune fille est ici. Et il y a aussi un autre cas, une femme. Tu as comme une boule dans ton sein. Et cela te fait beaucoup peur. Tu te poses énormément de questions. Pose simplement ta main là où tu as mal. La main de Dieu te touche maintenant. Et cette boule disparaît. Je le commande de sortir immédiatement de ton corps. Et que tu sois guéri par la puissance de Dieu. Et que vous tous qui êtes malades, recevez le miracle de la guérison. Dans le nom merveilleux, précieux, puissant. De notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur.